Good morning, allez, dans l'étude aujourd'hui, le Nishmat, mon verbe, Shmuel ben Shlomo Zalman, Sarah bat Hana Rachel, Shlomo ben Esther, Shlomo Nissim ben Sarah, ainsi que l'Irfouat, Sarah bat Betty Rivka Betor Shachar Israël. Si vous souhaitez aussi d'aider une prochaine étude de Nishmat, contactez à 5 minutes éternelles, nos étudiants vont s'écrire à Menachot, Perektet Mishnah Zayin. Kol korbanot atzibur en bahem smicha, chutz minapar aba al kol amitzvot, vesair amishtaleach. Rabbi Shimon Omer, af seire avodazara. Kol korbenot hayachid teunin smicha, chutz min habechor v'amaser v'apesach. V'ayoresh somech ve'enu mevin nesachim u'memir. On parle dans notre Mishnah de la mitzvah de smicha. S'appuyer, appuyer les mains sur le korban que l'on apporte. Et une mitzvah, besamach yado al korbanot. Il s'écrit plein de fois dans la Torah de plusieurs manières, dans plusieurs korbanot, d'être somech yadav. C'est une manière de désigner le korban qui va partir en expiation à ma place. D'accord ? C'est de manière générale. Alors maintenant, le but de notre Mishnah va être de nous définir sur quel korban doit-on faire la mitzvah de smicha. On va parler de deux choses. Des korbanot tzibur, des sacrifices publics, et des korbanot yachid, des sacrifices des individuels. D'accord ? On commence la première partie de la Mishnah. Kol korbanot ha-tzibur en bahem smicha. Tous les sacrifices public, que c'est tout le peuple d'Israël qui doit les apporter, en l'occurrence par exemple les korbanot de tous les jours, korban tamid, les korbanot des moussafin, lorsqu'il y a un jour kadosh, un shabbat, à Rosh Chodesh, au mois d'autres, les fêtes, alors on doit porter des korban tzibur. Sache que là-bas, sur aucun korban tzibur, tu ne feras la smicha. Il y aura une nécessité d'appuyer les mains sur le korban. D'accord, la mitzvah de la smicha était essentiellement dite dans les korbanes individuels, à deux exceptions près, qui sont chutz mina par aba al kol mitzvot, v'sair amishtaleach. À l'exception du par du taureau que l'on apporte pour les mitzvot transgressés, comme ce qu'on apprenait dans Orayot, on va expliquer tout de suite, v'sair amishtaleach et le bouc émissaire de Yom Kippour. Le sair par aba al kol mitzvot, on avait appris ça dans Maseret Orayot longuement, c'est si le Bet Din s'est trompé, a permis quelque chose qui était interdit par Issur Karet de la Torah, et que la majorité du peuple d'Israël a fauté, alors ceux qui ont fauté ne porteront plus un korban individuel, on apportera plutôt un korban public. Et alors là, la Torah nous précise que les Ziknei Ha'eda, les sages du peuple, donc ceux qui sont au Bet Din, devront, eux, appuyer leurs mains sur le korban. Ils seront les délégués du Ham Israël pour faire ce korban, d'accord? Ça, c'est par Rabbal Kol Mitzvot. Ve Saïra Mishtaleach est le bouc émissaire que l'on fait, comme ce qu'on dit à Yom Kippour, quand on fait la voda. Ve Samar Shtei Yadav, Ala Veitvada, Vekach Hayom Omer. Là-bas, on dit Ve Samar Shtei Yadav, il appuiera les deux mains. Il appuiera les deux mains. Le korban, le Kohen, en l'occurrence, il faisait ça trois fois. Il faisait deux fois sur son part personnel, une fois pour expier ses fautes de lui-même et une fois pour expier les fautes de tous les Kohanim. Et puis après, selon Tanakama pour le moment, alors lorsqu'il partait ensuite pour le bouc émissaire, l'envoyer le faire dégringoler la falaise, alors auparavant, il se faisait un nouveau vidouille, il prononçait toutes les fautes du peuple d'Israël, d'accord, il se confessait. En délégué pour tout le Ham Israël, et il appuyait aussi sa main sur la tête du korban. C'est l'avis de Tanakama. Rabbi Shimon Omer, af seire avoda zara. Rabbi Shimon nous dit, même les korbanot que l'on apporte pour la avoda zara, c'est-à-dire, si le Bet Din de Yerushalayim, on avait appris ça dans le Maseret Horayot, le Bet Din de Yerushalayim, le grand Bet Din, le grand Sanhedrin, s'est trompé et a dit que telle action était permise, il n'y avait pas d'interdit de avoda zara. Et c'était en réalité interdit par la Torah. Alors là, on n'apportera pas un par élève d'Avar Shel Tzibur comme une faute classique, mais on apportera plutôt des korbanot spéciaux qui sont explicités dans le livre de Bamidbar, je crois que c'est dans Korar, si je ne me trompe pas, où là-bas précise des korbanot particuliers pour la Avodah Zara. Rabbi Shimon nous enseigne donc que sache que même lorsqu'on, si toutefois le Bedin s'est trompé, et a permis une chose qui est interdite alors que c'est un interdit qui concerne la avodah zara, l'idolâtrie, on a permis une certaine action alors que c'est interdit,
Eh bien, le Beit Din devra apporter lui le korban, et ce qu'on appellera les seirei avodah zara, c'est plus un par, c'est plus un taureau, c'est un saïr, c'est un bouc. Et là-bas, ils feront la smicha, selon Rabbi Shimon. Pour plus de précision, c'est explicité dans le Tosfot Yom Tov. En réalité, tout le monde est d'accord que quoi qu'il arrive, il y a deux exceptions à la règle, parce que la Torah elle nous a dit deux fois, il y a un mot qui nous dit, je ne sais plus comment c'est dit, smicha le beveilim, je ne sais plus où dit, deux secondes. Non, il y a deux fois. La Torah, la Torah a explicité deux fois où il y a un korban public que, malgré tout, on fera la smicha. La question est de savoir pour qui. Selon Tanakama, c'est par Elam Davarchel Tzibour, le korban public lorsque le Beit Din s'est trompé sur une halakha, et le Seir HaMishtalach. Et Rabbi Shimon va nous dire non, Seir HaMishtalach, on ne fait pas de smicha, mais met plutôt à la place un autre korban qui est le Seir HaVodazara. D'accord ? Pourquoi d'après Rabbi Shimon, Seir HaMishtalach, le Kohen Gadol n'appuyait pas sa main sur le korban ? Ben, tout simplement parce que le Kohen Gadol, lui, ne se faisait pas expier du tout ses fautes par ce Seir, ni lui, ni les Kohanim, par ce bouc. Pour ce bouc était là que pour le peuple d'Israël, et donc dans ce cas-là, il ne faisait plus la smicha. Voilà, c'est le principe. Voilà. Ça, c'est la première partie de la Mishnah, donc on s'est occupé des korbanot publics. À présent, on va parler de kol korbanot hayachid teunin smicha. Tous les korbanot, tous les sacrifices des individuels, toute personne qui va vouloir de lui-même apporter un korban, ils devront tous faire la smicha auparavant. Lui, appuyer les mains sur la tête, à quelques exceptions, trois. Qui sont Chutz Min HaBechor, VaMaaser, VaPessach, qui est le prémisse, le premier-né des animaux, et le Maaser, le dixième. Alors, c'est deux korbanot. Le Bechor, si je toutefois, la première fois où ma vache va mettre bas, eh bien, ce petit taureau qui va naître, ce petit bœuf qui va naître, lui, il aura un statut de. Il s'appellera un Bechor, il faudra que je le donne au Kohen, idem si c'est un mouton ou si c'est une chèvre. Je devrais le donner au Kohen, il est Bechor. Et là, le Kohen ne devra pas faire la Smicha, ni lui, ni moi. Idem pour le Maaser, c'est le dixième. Tous les nouveau-nés de l'année, une fois que le mois d'Elul approche, alors on va tous les réunir, on va compter les nouveau-nés qui sont nés cette année, et on va donner un prélevé, un dixième, que je pourrai moi-même ensuite amener à Yerushalayim, et le consommer moi-même à Yerushalayim. Je devrais le donner à personne, mais en tout cas, il sera Maaser, je devrais en faire un Korban. Là, de nouveau, lorsque je le gorgerai, je ne devrais pas faire de smicha, ou encore le korban pesach aussi. Le korban pesach, il a besoin de faire la smicha, d'accord ? On rapporte dans la Gemara que c'est trois fois, il y a une insistance dans le pasuk qui nous dit korbano, 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 pour exclure ces trois cas de figure. Ensuite, autre sujet dans la Mishnah, va yoresh somer, ou mevinesachim, ou memir. On parle de quelqu'un qui est décédé, il devait apporter lui-même un korban. Lorsqu'il devait apporter un korban, il devait lui faire la smicha, et le pauvre Monsieur Yaakov est Niftar, et c'est son fils Reuven qui hérite maintenant de tous ses biens, et il y a aussi dans tous ses biens le Korban que Yaakov avait désigné. Qu'est-ce qu'il en fera, Reuven, de ce Korban? Il devra l'apporter à Yerushalayim. Il l'égorgera en le faisant la Smicha, il le appuiera les mains à la place de son père. Et aussi, Omevi Nesachim, il devra aussi apporter les Nesachim, les oblations de Minchat Nesachim et le vin, et aussi Omemir. Alors, Mémir, c'est simple, il y a toute une maséchette qui s'appelle maséchette Toumoura, on va parler longuement dans ça, mais en HM, on la rencontrera bientôt. Pour le moment, on va voir Choulin, après Choulin, je ne sais pas c'est la maséchette Chorot. On aura l'occasion ensuite d'arriver à une maséchette qui s'appelle Toumoura. Très rapidement, le principe est un peu complexe, mais on va prendre l'aspect simple pour le moment des choses, c'est que si j'ai un Corban, et que je désigne de désigner un, de remplacer, j'avais pris un taureau, un bœuf, que j'avais prévu de le faire en shlamim. Et j'ai décidé ensuite de prendre un autre à la place. Et je veux dire, la gdusha de lui, je le fais passer sur l'autre. Alors, il y a une halakha particulière, c'est que l'autre, il va devenir kadosh, mais le premier aussi, il va rester kadosh. D'accord ? C'est une halakha très spéciale, parce qu'on ne peut pas faire sortir par la gdusha, mais malgré tout, le fait d'avoir voulu mettre un autre à la place fait que je l'ai quand même rendu kadosh. Alors, maintenant, si vous avez un korban et que moi je vais venir avec une autre vache, je veux dire la gdusha de lui, je la fais passer sur ma vache. Je ne veux pas faire passer de la gdusha de la sorte. Pour quelle raison? Je ne suis pas propriétaire. La Mishnah vient m'enseigne que sache que l'héritier, il a un statut de propriétaire complètement face au korban d'autre. Pour ces trois, alors en l'occurrence, qu'il aura l'obligation de se mettre, d'appuyer les mains avant de l'égorger, qui devra apporter les nesachim
et aussi que Memir, si toutefois il a voulu racheter la Gdoucha du Corban et la mettre sur un autre Corban, eh bien son autre Corban sera devenu lui aussi Kadosh comme si il était propriétaire, parce qu'il est réellement propriétaire. Et c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha Kol Tov, Salam.